Notre pays a une vieille tradition administrative et son expertise sert bien au-delà de nos frontières. Mais il nous faut réformer notre système administratif pour créer une nouvelle dynamique de développement. La mise en place de ce processus constitue un jalon important dans la construction d'une administration qui répond aux exigences de l'émergence et du développement, c'est-à-dire une administration compétente, diligente, efficace et efficiente. L'administration, reconnue pour sa rigueur et son souci permanent d'efficacité, est au cœur des réformes de l'État du Sénégal pour améliorer ses relations avec les usagers. Les structures, les méthodes et procédures, mais fondamentalement les ressources humaines. Aucune méthode, outil technique ou autre procédure, quelle que soit leur performance, n'est capable de produire un service public de qualité si ceux qui les conçoivent ou les mettre en œuvre sont dépourvus de qualités professionnelles qui donnent un sens et de la valeur à l'action publique. L'administration, c'est un sacerdoce. Vous en êtes le pur produit. Le service, c'est la devise de l'administration, où que nous soyons, dans quelque posture que nous soyons, quelle que soit la station que nous occupons, nous sommes au service des autres. Nous sommes au service des usagers. Nous sommes au service de notre communauté. Nous sommes au service de la collectivité nationale. Vous savez, ce que je vais vous dire, c'est un témoignage tout simplement sur l'histoire de la naissance du ministère de la fonction publique, que je connais très bien. Vous savez, pour qu'il y ait gouvernement, administration, fonction publique sénégalaise, il faut d'abord la liberté. Le fait, aujourd'hui, c'est que le Sénégal est sorti de la Fédération du Mali. C'est que le Sénégal est aujourd'hui un État indépendant. Vous savez, ici au Sénégal, pour nous, la révolution, c'est la reconversion des mentalités et des comportements. C'est la décolonisation des mentalités et des comportements. Et deuxièmement, c'est tout simplement l'expansion économique en vue du développement. Les efforts de tous, dans la sueur commune, ménagères, artisans, paysans, ouvriers, intellectuels, à quelque place que tu sois, à quelque lieu que tu te trouves, à quelque activité que tu te consacres, regarde à côté de toi. Coude à coude, tu trouveras un frère attelé à la même tâche, celle de bâtir le Sénégal nouveau. Le ministère de la fonction publique, qui est le premier ministère transféré à Dakar, avait comme ministre de la fonction publique M. Latché Camara. Alors, il l'avait même appelé le fer de lance de la décolonisation administrative. Conscient qu'au sortir de la décolonisation, l'urgence du Sénégal était de s'atteler à la construction d'une administration efficace, le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, crée en 1968 le Bureau Organisation et Méthode, BOM, et l'Inspection Générale d'État, IGE, pour mieux contrôler la marche administrative du pays. Je n'ai pas eu d'ambition politique. Je fuyais la politique comme la peste. Ce que je voulais, moi, c'était être un haut fonctionnaire, servir l'État.
Son ambition de devenir un technocrate aguerri le pousse sous son magistère à créer le ministère de la modernisation de l'État. D'ailleurs, il disait à l'époque, lors du premier séminaire gouvernemental sur la modernisation en 1990, que « chacun doit être conscient que la croissance des administrations publiques, loin d'avoir facilité l'essor de notre économie, a créé au fil des années une pesanteur bureaucratique qu'il faut combattre rigoureusement. La modernisation devient un enjeu essentiel pour le développement de notre pays. » Il faut pour ce faire une administration de qualité et de proximité, ainsi qu'une justice diligente et indépendante. Le président Abdoulaye Wad crée, le 28 février 2008, la délégation à la réforme de l'État et à l'assistance technique, DREAT, pour améliorer la réactivité de cette dernière, avec comme enjeu l'intégration du concept de bonne gouvernance dans la marche de l'administration. C'est une administration en dynamique de transformation qui la pousse vers la bonne gouvernance, lentement, avec des résistances à l'interne, avec des dysfonctionnements, mais depuis 25 ans où nous travaillons avec l'administration publique, déjà en 1998, on a été impliqués dans une concertation sur la bonne gouvernance. 1998, c'était l'ère du président Diouf. Il avait mis une petite concertation sur la bonne gouvernance qu'il avait confiée à feu Pierre Babacar Kama. Et nous y étions avec des personnes chevronnées, des compétences qui émanaient de l'administration. Il y a eu des programmes spécifiques d'amélioration de l'efficacité de l'administration. Il y a eu des programmes de modernisation de l'administration. Nous avons dit que nous avons une seule scène d'al, nous avons une population. Nous avons une population qui est comme ce que je disais. Si nous avons une population, nous avons recensé tout le monde, mais nous avons tant que yang xamulo lu gisulo ko wala nga xam lu mu nek rek do mo na atu ci lu mu nek population bo ñoñu ngay wax muy ministre muy président muy directeur muy quoi que ça soit nañu dugg ci bir nit ñi. Une administration plus soucieuse de mettre les usagers dans de bonnes conditions, de ne pas les surcharger de déplacements inutiles. On doit pouvoir régler ces problèmes administratifs, en tout cas quand l'agent peut les régler sans que l'usager se déplace, et que cela soit fait. Dans le domaine qui nous intéresse, qui est celui de l'économie, ce qu'il faut savoir, c'est que la compétition internationale a changé de modalité. Et ce ne sont plus les règles du jeu que nous avons connues jusqu'à présent. Ce ne sont pas seulement les entreprises qui sont en compétition avec d'autres entreprises au plan international. Ce sont les États qui sont en compétition avec chaque État, ses propres règles du jeu. Et c'est la raison pour laquelle toutes les entreprises ont besoin de cet accompagnement, de cette compréhension, en tout cas de cette mise à niveau permanente de son administration pour être, comme vous le voyez un peu partout, encadré au plan interne, dans la facilitation, mais aussi au plan international, pour pouvoir lui donner tous les outils. Encore une fois, le Sénégal doit pouvoir se doter dans le cadre du plan Sénégal émergent. Si nous voulons gagner, si nous voulons exister au plan international et être parmi les nations qui gagnent, nous avons besoin d'avoir une administration sensibilisée, impliquée, complètement bien formée et qui épouse de nouvelles dynamiques de développement derrière la vision que nous avons du Sénégal émergent. Le président de la République donc a adjoint à la mission fonction publique, celle du renouveau du service public. Il est allé plus loin dans le cadre qui nous sert aujourd'hui de référence en matière de politique publique et le plan Sénégal émergent. Le président a institué une réforme majeure qui est la réforme de l'administration. Parce qu'il est conscient que rien ne peut se faire pour porter l'émergence de notre État, de notre pays, si nous n'avons pas une administration plus performante, plus adaptée au contexte actuel de mondialisation où tout va très vite, où les citoyens sont de plus en plus attentifs à l'action publique, où on attend plus encore de ces agents publics. Et surtout, dire aux
au cadre de l'administration ce qu'il attend dans la prise en charge du plan Sénégal émergent, dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, que le président de la République a décidé de rencontrer tous les directeurs nationaux lors d'un forum historique. Historique en ce sens qu'il ne s'est jamais tenu dans notre pays. Pour la première fois, un président de la République va rencontrer l'ensemble des directeurs nationaux, mais également les autres institutions de l'État. Nous devons vaincre la routine et le confort de l'habitude, cultiver davantage l'éthique du travail, établir un nouvel état d'esprit avec le service et le bien public, et faire face à nos défis pour un Sénégal émergent. Dans cette optique, le président Macky Sall tient à revenir aux vrais fondamentaux de l'administration. Dans ce processus, une première séquence de la phase « Impulser le renouveau du service public » s'est articulée autour de 15 réunions préparatoires qui ont réuni des directeurs techniques sectoriels. Les 15 rencontres des directeurs sectoriels ont enregistré 191 participants qui ont d'emblée adhéré au projet de changement. Dans leur contribution, ils ont souligné la nécessité et l'urgence de moderniser le service public pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des usagers. Madame la ministre, nous allons vers le forum. Quel est votre message à l'endroit des directeurs? Le président a voulu venir à leur contact direct. Il sera à leur écoute. Il va également leur donner mandat. Leur dire à eux aussi quelles sont ses attentes, la façon dont il veut compter sur eux pour porter avec eux le plan Sénégal émergent. Je voudrais qu'ils soient ouverts à ce que M. le Président de la République va leur dire, mais qu'ils soient également généreux dans le partage de l'expérience qu'il va certainement vouloir avoir avec eux, parce que c'est un échange qui va se faire. Et je voudrais qu'ils mettent à profit ce moment inédit pour qu'ensemble, que nous puissions porter notre administration et en faire le levier de performance qu'elle n'a jamais cessé d'être, mais qu'elle soit renforcée dans cette dynamique-là.